Bienvenue dans cette série d'été du podcast La Petite Voix. Si vous êtes comme moi, vous profitez de l'été pour lire tous les livres, ou presque, qui vous attendent sur votre table de chevet depuis ces derniers mois. Quel bonheur de se prélasser de longs moments avec un bon bouquin, que ce soit sur la plage, dans un hamac à la campagne ou pourquoi pas dans le train. Pour vous donner quelques idées de lecture, je suis ravie de vous proposer chaque jour, pendant 10 jours, une série en partenariat avec les éditions Larousse. Chaque jour, je vous ferai découvrir un nouveau livre de leur collection Santé et bien-être. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous vous ferons gagner chaque jour un exemplaire du livre cité. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et autant de belles lectures. Allez, vous me suivez? Fermez les yeux, relaxez-vous, c'est parti! Voilà un livre qui, je n'en doute pas, va vous donner la pêche. Dans I Feel Good, Sarah Allard développe 5 étapes pour vraiment activer le pouvoir de nos émotions positives. Et ça marche! C'est lumineux, éclairant, pratique, malin et vraiment à travers des exercices que vous allez piocher, suivant ceux qui vous parlent peut-être le plus, vous allez pouvoir distiller dans votre vie du vrai feel good. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour aujourd'hui, j'ai choisi ce chapitre « Plus de joie et de rire, retrouver votre âme d'enfant ». Alors, je vous laisse découvrir aujourd'hui cet extrait d'I Feel Good. La vraie joie est une émotion merveilleuse qui envahit tout notre être, qui nous transporte et que nous avons irrésistiblement envie de partager. Et même si elle peut se présenter spontanément, et c'est heureux, nous pouvons apprendre aussi à la créer, la chercher, la stimuler, la déclencher, même dans les périodes difficiles. Vivre dans la joie, c'est beaucoup de rire, des moments de partage, de jeu, de liberté, de nouvelles expériences et d'accomplissement. Pour mettre plus de joie dans votre vie, nous devons nous reconnecter à notre âme d'enfant. L'enfant que vous étiez passait probablement une grande partie de ses journées à rire, sourire, jouer, apprendre, expérimenter, s'extasier. Vous l'avez peut-être oublié, pourtant, cet enfant fait toujours partie de vous et il ne demande qu'à s'exprimer à nouveau. L'objectif de ce chapitre, vous aider à ressusciter votre enfant intérieur et à faire vivre votre joie d'enfant dans votre corps d'adulte. On ne doit qu'à l'enfant qu'on a été, a écrit Alexandre Jardin dans Le Petit Sauvage. Alors essayez de vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous procurait de la joie ou un grand bonheur? Peindre, danser, chanter, jouer avec les animaux, manger des crêpes, faire des châteaux de sable, prendre un bain plein de bulles, sauter sur un trampoline? Eh bien, bonne nouvelle, vous avez toujours le droit de faire tout ça. Et bien d'autres choses encore. L'extraordinaire pouvoir du sourire. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux, écrivait Edward Louis Cramer. Quand nous sourions, même si notre sourire n'est pas spontané, cela envoie un message à notre cerveau qu'il interprète comme une véritable émotion positive. Résultat, cela augmente réellement notre bien-être. En souriant, nous attirons aussi la sympathie des autres, ce qui, en retour, augmente davantage nos émotions positives. Une étude menée sur des serveurs de bar a ainsi démontré que plus ils étaient souriants, plus ils obtenaient de pourboires importants. Et puis, on est plus beau quand on sourit, non? Mais attention, il existe des tas de sourires différents. Le vrai sourire authentique, signe d'une joie sincère, est appelé le sourire de Duchenne et se caractérise par des pattes de doigts au coin des yeux. Nous savons instinctivement distinguer les vrais et les faux sourires.
Pour activer les fabuleux pouvoirs du sourire, il est préférable de trouver de vraies raisons de sourire. Sinon, le sourire risque d'être faux et moins efficace, voire contre-productif. Pensez alors à un souvenir agréable, regardez une photo de personne que vous aimez. Il est beaucoup plus important d'être dans la joie que de paraître joyeux. Pensez aussi à vous sourire à vous-même. Pourquoi ne pas commencer chaque journée en vous adressant un grand sourire dans le miroir et en vous disant « Tu vas passer une super journée !» Vous pouvez aussi apprendre à pratiquer le sourire intérieur, secret du bonheur et de santé dans la tradition du Tao. La méditation du sourire intérieur. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Prenez quelques respirations amples et profondes. À chaque expiration, relâchez vos tensions et sentez la détente s'installer. Installez un léger sourire sur vos lèvres. Puis, concentrez-vous sur votre troisième œil, ce point situé entre vos sourcils qui permet à l'énergie de s'accumuler. Envoyez un joli sourire intérieur à tout votre corps et sentez l'énergie de joie qui se propage. Souriez à votre cœur. Vous pouvez penser à un moment particulièrement agréable et laisser la joie envahir votre cœur. Souriez ensuite à toutes les parties de votre corps, à vos poumons, puis à votre foie, votre pancréas, votre rate, vos reins, vos glandes surrénales, vos organes sexuels, votre gorge, vos yeux, votre cerveau, puis descendez jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Observez l'énergie positive qui s'est propagée dans tout votre corps. La magie du rire. Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour, mais les adultes, eux, ne riraient que 20 fois par jour en moyenne. Selon les professionnels de la santé qui étudient les nombreux effets thérapeutiques du rire, 10 à 15 minutes de rire par jour serait un excellent moyen de rester en bonne santé physique et mentale. Or, nous rions de moins en moins. Nous sommes passés de 19 minutes de rire par jour en 1939 à 6 minutes en 1983 et moins d'une minute aujourd'hui. Pourtant, c'est si bon de rire. De nombreux médecins et chercheurs tels qu'Henri Rubinstein, William Fry, Norman Cousins, Lee Berk, Hunter Adams ou le docteur Madan Kataria, le cofondateur du yoga du rire, ont étudié les nombreux bienfaits du rire. Puissant anti-stress, anti-douleur et anti-déprime, le rire nous rend plus joyeux, plus énergique, plus résilient. Il améliore la digestion, la mémoire, le sommeil, il booste le système immunitaire et facilite l'apprentissage. C'est aussi une activité physique assez intense. Quand on rigole, on utilise plus de 50 muscles dans notre corps. Et en termes de dépenses énergétiques, 10 minutes de rire par jour serait l'équivalent de 30 minutes de jogging. Bon à savoir, n'est-ce pas ? Une quinzaine de minutes de rire permet au corps de libérer des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine. Une étude menée en 2014 par des chercheurs de l'Université de Loma Linda en Californie a également démontré que le rire enclenchait les mêmes ondes cérébrales qu'une bonne séance de méditation. Enfin, le rire est très bénéfique pour nos relations. Il renforce la cohésion d'un groupe, la qualité relationnelle, la confiance. Je suis une immense fan du yoga du rire et j'ai vécu lors de certaines séances des fous rires collectifs absolument dingues et je dois avouer quasi orgasmiques. Il faut vraiment le vivre et l'expérimenter pour le comprendre, car le rire est un des phénomènes les plus contagieux. De véritables épidémies de rire ont même été observées, comme celle qui a eu lieu dans les années 60 en Tanzanie et en Ouganda.
Pour la petite histoire, tout est parti d'un fou rire attrapé par trois adolescentes dans un pensionnat pour orphelines à la frontière entre ces deux pays. Elles ont ensuite contaminé les camarades, puis l'épidémie s'est propagée à l'extérieur, créant une véritable vague d'hystérie collective. Cette maladie du rire a fini par s'estomper au bout de 6 mois, après avoir causé beaucoup de perturbations. Des fermetures d'écoles, des hospitalisations de personnes qui avaient ri vraiment trop fort et trop longtemps. Mais nous n'en sommes pas là. Alors rions plus, car le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pour rire et vous amuser davantage, voici quelques exemples. Vous pouvez chercher la compagnie de bons rieurs et de personnes drôles dans votre famille, vos collègues, vos amis. Vous pouvez regarder des vidéos de personnes qui rient ou simplement écouter des sons de rire. Regarder des comédies, des spectacles d'humoristes ou des vidéos virales amusantes. Vous pouvez rire de vous-même, de vos bourdes, de vos difficultés, en toute bienveillance bien sûr. Souvenez-vous, personne n'est parfait et c'est très bien comme ça. Ou bien, vous pouvez vous lancer des défis rires. Réussir à faire rire au moins une fois par jour votre conjoint ou faire rire votre collègue grincheux. Vous pouvez aussi garder précieusement de côté tout ce qui vous fait rire. Lorsque vous vivez un bel éclat de rire, prenez quelques minutes le jour même pour noter l'anecdote dans un carnet, une application, un post-it, peu importe, pourvu que vous retrouviez l'information facilement. Faites la liste de ces perles les plus amusantes de vos collègues, de vos amis, de vos familles, même les vôtres, et vous pouvez, pourquoi pas, les afficher. Pratiquez le yoga du rire et la rigologie, au moins une fois par mois pour commencer. Bon, au début, cela ne vous semblera peut-être pas très naturel, mais avec un peu de pratique, vous réussirez à déclencher votre rire de plus en plus facilement et votre bonne humeur s'installera durablement. Et même si vous faites seulement l'exercice physique de rire, vos poumons vont travailler, votre diaphragme va se détendre, l'oxygène va circuler dans votre corps et votre cerveau, et vous allez changer d'état d'esprit. Et enfin, jouer. Jeux de société, jeux de plein air, serious game, escape game, théâtre immersif. Invitez le jeu dans toutes les sphères de votre vie, même au travail. D'ailleurs, selon Brené Brown, la chercheuse en sciences humaines et sociales de l'Université de Houston, le contraire du jeu n'est pas le travail, mais la dépression. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode de ma série d'été avec les éditions Larousse vous a plu. J'espère même que cela vous a donné envie de lire ce livre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec les éditions Larousse, nous vous faisons gagner le jour de la diffusion de cet épisode un exemplaire du livre cité. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous dis à très bientôt.